Infinite Craft est un jeu dans lequel vous combinez deux mots pour créer littéralement n'importe quoi. Les possibilités sont infinies car c'est une IA qui se charge du reste. Vous commencez seulement avec les éléments de base, l'eau, le feu, le vent et la terre. Et après, vous pouvez créer les pires scénarios. Mais on va se calmer de ce côté-là, on va seulement relever vos défis. Naruto, GTA, Cornichon, K-pop, Rocket League, ce sont 5 mots que vous m'avez proposés qui ont été sélectionnés. D'ailleurs, si vous avez d'autres mots à me proposer pour une prochaine vidéo, faites-le savoir tout de suite en commentaire. On les sélectionnera pour une prochaine vidéo. Et let's go, on part sur Naruto, K-pop, on pourrait partir autour de l'Asie. GTA, Rocket League, jeux vidéo, donc satellite, espace pour Internet. Et après, on va peut-être retomber du coup sur ordinateur, sur console, sur jeux vidéo. Et puis cornichon, bah je sais pas, on va peut-être partir autour des plantes pour essayer de trouver tout ça. On lance le chronomètre, j'espère faire moins d'1h30 pour essayer de tout trouver. Donc on y va assez vite au début. Le but, ça va être de combiner les éléments de base pour créer des choses. Donc là, vous voyez, au début, on va essayer de trouver des mots qui vont nous permettre de rebondir le plus facilement possible. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Des mots que tout le monde connaît, qui ont déjà été tous trouvés. Parce qu'il y a des mots, on va peut-être faire des premières découvertes aujourd'hui. C'est possible, ça arrive. Le plus difficile, je pense, sur le jeu, c'est tout ce qui va être nom propre. Ok, explosion, explosion, ça peut être pas mal pour GTA. Dragon, dragon, peut-être pour le Japon, ça peut être pas mal. Tsunami, c'est peut-être pas mal aussi pour le Japon. C'est pas mal du tout, là, ce qu'on a. Il y a des choses sur lesquelles on peut rebondir, en tout cas. Et ça, ça fait plaisir. C'est exactement ce qu'on veut au début. Ok, là, on tourne sur les choses qu'on a déjà faites. On a eu de la pierre. Ok. Ok, télescope, pas mal peut-être. Oh, on a eu sushi wasabi. Pas mal ça, sushi wasabi pour le Japon. Île, sushi. Attendez, le Japon. Ok, on a le Japon. On va le mettre de côté, honnêtement, pour Naruto. Je pense que Naruto, ce qu'il faudrait derrière, ce serait shinobi, ninja, un truc comme ça. Et je pense qu'on l'aura, ou animé, manga. Vous allez partir sur des livres. Livre plus Japon, manga. Et peut-être qu'après, si on fait manga plus... Comme je l'ai dit, shinobi ou bien, ouais, je sais pas, des trucs liés au ninja, je pense que ça passe. Après, pour tout ce qui sera K-pop, je pense qu'il va falloir qu'on décline plus sur l'Asie, la musique plus l'Asie. Je pense qu'on va tomber sur quelque chose autour de la K-pop assez facilement. Explosion plus jeu vidéo. Ce qui serait pas mal là, ça serait de partir dans l'espace. Alors comment on fait déjà pour partir dans l'espace? La lave, je sais plus. Je sais plus, c'est quelque chose qu'on a fait, pourtant on l'a fait plusieurs fois. On va essayer de voir... J'avoue que là, je ne sais plus comment on fait. Plante. Plante, ça sera toujours bien pour cornichon. Honnêtement, ça, il n'y a pas de souci. Dandelion. Dandelion, je crois que ça nous permet de faire vraiment beaucoup de choses. Dandelion. Dandelion. Flower. Dandelion. Attendez, on va regarder. Voilà. Seed, ça va être bien. On a un arbre. Du vin. Ok, une bouteille. Pas de problème. L'alcool, bouteille, alcool, tout ça. Pour GTA, on y est aussi. Alors, Rocket League, explosion, c'est peut-être pas mal aussi pour Rocket League. Comment on fait... Ah, attendez, on va essayer de trouver des choses, parce que là, il y a des choses que je n'ai pas faites. Genre ça. Ok, Steam. Ok, alors attendez, Steam, c'est vraiment un truc qui est très intéressant aussi. Nuage. Ok. Et avec le feu. Engine, train. C'est de voir si on peut pas choper des choses en plus. Ok, apparemment, ici, non. Donc on tourne en rond si on renvoie toujours les mêmes choses, d'accord, pas de souci. Alors, où est-ce qu'on en est? On est déjà rendu à 55 mots en 3 minutes, mais c'est normal, c'est rapide. On a eu le Japon qui est très très bien. Je vais mettre aussi Dandelion de côté parce que je sais que c'est quelque chose qui est intéressant. Et je vais mettre Steam de côté aussi parce que je sais que c'est quelque chose qui est très intéressant pour plein de créations. Maintenant, il va falloir partir sur les trucs liés à l'espace, mais je ne sais plus comment on fait ça. On l'a fait deux fois sur les deux dernières games. Smoke. Smoke et Steam. Cloud. Non. Ok, je... En fait, de base, on a un truc, genre, qu'on faisait assez vite. C'était, je crois, le soleil. Est-ce que tu partirais pas sur un nuage de feu? Nuage de feu. Ça marche, ça? Lightning. Lightning, c'est très bien aussi. Hein. Lightning, il y a sûrement plein de choses à faire avec. Alors, avec de l'eau. L'électricité, regardez. L'électricité, c'est très, très bien. Pour tout ce qui sera jeu vidéo. Voilà. On a le soleil. Hop. Oh, tremblement de terre. Bon, on a déjà Japon. On a Zeus. Ok, on a des choses. Maintenant, soleil. Avec la terre. On a une plante. C'est pas forcément ce que je veux. Alors, soleil. Parce qu'en fait, le but, c'est de tomber sur système solaire. Ce genre de choses. Et normalement, de système solaire, on peut tomber sur système, système, ordinateur, ordinateur, jeu vidéo, si je me souviens bien. Donc,
Ok. Ça, on a déjà fait. Solar. Pas mal, Solar. Alors, comment tu fais? Tu passes de Solar à autre chose. Peut-être en faisant deux fois Solar. Non. Soleil et Solar. Système étoile. Étoile et étoile. Galaxie. Galaxie et galaxie. Black hole. J'essaie de voir si on peut pas trouver ce que j'ai besoin. Je pense pas que là on va avoir des choses. Si on a licorne, licorne, ça m'intéresse pas trop. Après, est-ce qu'il y a des licornes dans Naruto? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des licornes dans GTA? Je ne crois pas. On trouve des choses, mais ça, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Soleil. Soleil. Et. En fait, il me faudrait planète. Terre et terre. Ok. Si on rajoute toujours de la terre, ça va me faire quoi? Est-ce qu'on arrive à retomber sur quelque chose genre de plus fat? Non. Un lac. Lac, ça m'intéresse pas. Océan. Goldfish. Là, on essaie de trouver un petit peu les mots basiques. Et normalement, dans les mots basiques, il y a quelque chose normalement autour de ça. Ah, dust. Dust et soleil. On n'a pas quelque chose comme ça, là? Sand. Non. Un télescope, ça, j'ai déjà aussi. Alors, soleil, j'aime bien. Étoile, j'aime bien. Là, ça tourne en rond. Si on fait ça, ok, pas de souci. Alors, solar, sun, stars. Je vais quand même classer par nom. Je pense pas avoir eu planète. Non, j'ai pas planète. Alors, attendez, est-ce qu'on peut choper quelque chose? Soleil de lave, non. Dust, smoke, une comète. J'avais pas déjà comète? Attendez, attendez. Ici. Enfin, j'ai l'impression que dans les derniers mots, j'avais eu comète. C'est chaud, là. Sea stars. Ouais, ça m'intéresse pas. Mermaid, sirène. Sirène, peut-être pour GTA. Ariel. Supernova. Mince. Bon, on va peut-être partir sur le Japon, du coup. C'est pareil, Japon, il faudrait que je fasse quelque chose. The, c'est Japon. Ça fait quoi? Sumo. Ok. On va essayer de trouver des choses. Peut-être sur lesquelles on va pouvoir construire. Un désastre. Ok, pas de problème. Naruto, c'est quoi? C'est plus des ramen. Un tsunami. Godzilla. Japon et Dandelion. Samouraï. Oh, samouraï et Japon. Qu'est-ce qu'on a, samouraï et Japon? Un katana. Katana et Japon. Samouraï. Ouais, forcément. Steam et samouraï. Steampunk. Pas mêler ça. Samouraï, c'est pas mal, mais il me manque le côté livre. Pour avoir le côté livre, à mon avis, il va me falloir arbre, peut-être steam ou de la vapeur. Ça marche pas. Là, on pourrait avoir quoi? Avec dandelion, arbre et dandelion, on a quoi? Un vœu. Vœu et tri, ça fait de l'argent. Ça, c'est bien pour GTA. Ça, c'est très très bien pour GTA. Le yen. Un ronin. Un ronin, est-ce qu'on n'a pas... Non, je pense pas. Parce que normalement, ronin, c'est un samouraï, vous le savez, qui est déshonoré. Allez, du coup, on retombe sur samouraï. Ça ne va pas. Parasol. On a des choses. On a des choses. Vin et argent. Drunk. Ça, c'est très bien pour, justement, la partie jeu vidéo. Un bar. Beach. Sun. Bon, j'ai reclassé les choses de base. On va essayer de repartir sur des choses que je n'ai pas encore trop utilisées dans les choses secondaires. Dust, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait dit Steam. Non, c'est parti sur Cloud. Je voulais pas ça. Alors attendez, Steam, on l'a eu, je crois, assez tôt. Je veux des dandelions aussi. Des Steam. Et let's go. Ça a l'air de rien trop combiner. Un génie. Ouais, ok, génie, je suis pas sûr. Une lampe. Lampe, ça peut être pas mal. Ok, on n'a rien eu de sensationnel. On va remettre des éléments de base. Alors, ici, on a de la boue. Ah, briques. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas tous les trucs avec les maisons. Ça, ça peut être pas mal parce que si je fais, par exemple, maison et argent, est-ce qu'on peut pas tomber sur une banque? Banque. Banque, vous voyez, ça sera très utile, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense, pour GTA. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On était parti sur des choses secondaires. Secondaires, dust. Ah bah voilà, planète. Planète, on l'a. Pyramide, tombe. Ok.
Palace. La lune. Ok, pas mal. Alors, on a encore ici des trucs de base. Je pense qu'on n'a pas fait. Je regarde. Steam, c'est bien. Smoke, c'est bien. On va essayer de faire ça. Smoke, water, fog. Fog, on l'avait pas, alors que c'est un truc de base. Volcano, on l'a fait je sais pas combien de fois. Là, on a besoin d'avoir vraiment des trucs de base au début. Steam et cloud, ça ne fonctionne pas. Ok, on repart sur les trucs un peu de base. On a déjà eu apparemment. Par contre, là, ça c'est pas mal, là, ce qu'on a eu, fog. Fog, ça peut être toujours intéressant. Fog et fog, ça fait quoi? Cloud. Fog et eau. On a de la glace. Smoke. Cloud. On a de la neige. Bon, ça, ça m'intéresse pas trop. Fog. Snow. Frost. Ice. Moon. On va prendre des planètes aussi. Snowball. Snowball pour les jeux. Ball. On peut peut-être avoir ball pour... Ah, ça peut être peut-être pas mal, honnêtement. Pourquoi je dis ça? Parce que ball et Vénus, très très bien, on va pouvoir faire les humains. Ball pour, bien entendu, Rocket League. Si on arrive à séparer Snow et Ball, il n'y a pas la possibilité. Genre, si je fais ça, Snowman. Moi, c'est la boule que je voulais. Je pense qu'il y a peut-être moyen de l'avoir, à un moment. La vie. Ok, on a la vie. La vie, c'est quand même pas mal, parce que la vie et Vénus égale l'amour. L'amour et l'amour. On peut pas créer l'humain comme ça? Earth. Ok, on peut pas faire forcément plus. Avec mariage, cupide. Je pense pas qu'on parte dans les bonnes choses, là. L'amour est dans des lions. Le Japon est un souhait. Un génie. Ok, bon. En vrai, on a déjà 133 mots, c'est pas mal du tout. Mais j'ai pas eu ce que je voulais autour des planètes. Est-ce qu'on peut pas tomber sur satellite? Moon and Earth. Une éclipse. C'est ça que je voulais. Je regarde un petit peu tous les mots que j'ai. On a du engine, on a du steam. Je sais qu'on avait réussi à faire des choses avec ça la dernière fois. Oh, il est où le steam? Il est là. Steam engine, non, on peut pas faire ça. Steam et planète. Nébuleuse. On va repartir sur les trucs un peu de base. On a ici des briques. On a quoi aussi dans les choses de base qu'on a eu normalement assez tôt? On a de la boue, c'est pas mal ça. On va prendre ça aussi. Qu'est-ce qui peut être intéressant par rapport à ce que je veux? Explosion peut-être. Explosion et banque. C'est vrai qu'on teste quand même explosion et banque. Tout à l'heure, on l'avait. Alors banque, c'était où? Si. Explosion et banque. Robbery. Robbery, ça sera très très bien, je pense, pour GTA. Steam Engine. Ok, Steam Engine, pourquoi pas. Brique et brique, ça fait un mur. Ok. Une maison. Qu'est-ce qu'on a ici qui pourrait être intéressant? Brick et mud, Adobe. Alors, Adobe et Steam Engine, locomotive. Adobe et quoi? Peut-être avec électricité? Je me souviens que ça, c'est des mots qu'on avait eu très très tôt dans le jeu la dernière fois pour trouver jeu vidéo. Flash. Flash. Et c'est pas forcément ce que je veux. Des monstres. Bullet train. On trouve des mots, hein. On trouve des mots qui vont nous servir forcément, regardez. On a quand même eu robbery, qui est vraiment très très bien, je pense que ça va être le mot-clé, peut-être, pour GTA. Un tracteur, ok. Alors, Steam Engine, c'est des mots qui vont nous permettre peut-être d'avoir à un moment ce qu'il faut, ou bien pour les jeux vidéo, ou bien pour Rocket League. Parce que là, vous avez vu, avec Steam Engine, on a réussi à avoir justement tracteur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Steamboat, train... Airplane, ça peut être pas mal. Ok. Si on fait deux airplanes ensemble, ça ne fonctionne pas. Un zeppelin. Ouais, zeppelin, je suis pas sûr que c'est ce qu'il me faut. Un jet. Il y en a dans GTA, mais bon, je suis pas sûr que c'est ce qu'il me faille non plus. Alors, on a eu quoi là? On a eu tracteur, steamboat. J'ai rien de plus là-dessus. J'essaie de combiner un petit peu ce qu'on a là. Ça a l'air de tourner en rond, tracteur et un jet. Un tank? Ouais. Tanker. Oil tanker. Je pense pas que ça va me servir. Tanker, est-ce qu'on pourrait pas se rapprocher des trucs pour les cornichons? Je suis pas sûr. Il y a des mots que j'ai jamais vus avant. Avec quoi on va pouvoir partir? De base, je voulais faire Adobe Flash. Animation. Animation pour jeux vidéo, ça pourrait être pas mal peut-être. Oh, regardez ça. Animé. Animé, ça peut être bien ça pour Naruto.
Adobe et quoi? Adobe et tracteur. Une ferme. Ferme. Alors, est-ce que ça peut marcher pour les cornichons? Je suis pas sûr. Adobe et quoi? Steamboat. Adobe Flash. Adobe Flash, ça peut être très très bien ça. Adobe Flash, c'était Flash animé. Ouais. M'intéresse pas trop. Anime Studio. Anime Studio, peut-être. Oh, Naruto qui tombe! Je l'ai fait avec quoi? Oh, le hasard! J'ai chaté, je vous avoue. Normalement, Naruto, je pense qu'on l'aurait eu, comme je l'ai dit, et je pense qu'on testera avec Ninja. 19 minutes pour le premier. Mais là, j'y croyais pas trop. Avec Robbery, Adobe Flash et Robbery. Flash Rob. Naruto Flash Game, ok. Bon, c'était pas du tout ce sur quoi j'étais parti. Nous, on reste sur jeux vidéo. Donc, normalement, c'est autour d'Adobe Flash. Adobe Flash, non, ça marche pas. Adobe Flash et quoi? C'est quand même la base. On n'a pas eu de télé. Je crois pas. Attendez, on a une loupe. Caméra. Caméra et Flash. Photographeur. Photoshop. Web designer, Flash designer. Ok, on a des choses. Ça peut tourner autour des jeux vidéo quand même. Hein. C'est pour ça que là, je suis en train de m'entêter autour d'Adobe Flash. Est-ce que j'ai le gnome? Je pense pas que j'ai le gnome. Non. J'ai pas le gnome. Oh, regardez. Ninja. Ninja et Japon. Samouraï. Ah, attendez. On a dit ninja. Là, j'ai ninja. Ninja et j'avais dit animé. Regardez-moi ça. Ouais, vous voyez. On serait tombé sur Naruto comme j'avais l'idée. Bon. Ça marche. Ça marche. Ok, Adobe Flash avec quoi? Du coup, j'ai pas Gnome pour pouvoir réduire et trouver d'autres choses qui peuvent être intéressantes. J'ai quoi qui me permet de débloquer plein de mots la dernière fois? Vénus. Vénus, c'est vrai que ça me permettait de débloquer pas mal de mots, attendez. Vénus, ça peut être pas mal. Vénus. Adobe Vénus, ok. Flash Vénus. Avec quoi je peux le faire? J'essaie de regarder... En vrai, normalement, Vénus, ça me permet de débloquer tellement de mots. Ah, attendez, il s'est barré encore une fois. Faut que je le mette de côté. Faut que je le mette de côté, sinon, à chaque fois, je vais être baisé. Allez. Ah, il galère. On va chercher des choses avec Vénus. Qu'est-ce qui peut être bien avec Vénus? Vulcanite, oh, ça m'intéresse pas. Flash Gordon? Ok, alors là, on l'a eu d'une façon très bizarre, le Flash Gordon. Avec de la brique. On va voir la Vénus de Milo. Une gargouille. Non, ça m'intéresse pas dans ce qu'on a actuellement. Naruto, c'est bon. Dans GTA, moi, il me fallait vraiment le côté jeu vidéo. Comment on avait jeu déjà? C'était jeu ou jeu vidéo qu'on avait? Avec le Japon, on pourrait peut-être avoir quelque chose, honnêtement. J'essaye de regarder ce qu'on a comme mot qui m'inspire véritablement des choses. Avec Steam, peut-être. On a la vie. Steam et Adobe Flash. Oh, jeu. Ok, on a jeu. Jeu et électricité. Alors, peut-être qu'on va avoir jeu vidéo. Pong. Pong, c'est un jeu vidéo. Pong. Mais le problème, c'est que c'est trop ciblé déjà. Ping pong. Ok. Jeu et quoi? Jeu et Vénus, on a quoi? Vidéo game. Ok. On l'a là. Attendez. Lara Croft. Ok, on peut combiner des choses. Je pense pas qu'on tombera sur ce qu'on veut. Par contre, une fois qu'on aura tout clean, Alien, ça pourra servir. Pourquoi? Rocket League, je connais pas trop ce jeu en vrai, hein, je suis désolé. Hein. Je pense qu'on trouvera avec Rocket. On a Explosion. Alors attendez, on est tout en bas là. On a maintenant jeu vidéo. Jeu vidéo, Robbery. Grand Theft Auto. Logique. Ok, 25 minutes, on a deux mots. Jeu vidéo, on va garder. Robbery, on va dégager. Monnaie, on va dégager. Dandelion, on va dégager. Japon, je garde. Peut-être pour réussir à faire Asie. Comment on fait l'Asie? Faudrait que j'arrive à agrandir à l'inverse. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet d'agrandir? Peut-être si je fais Japon deux fois. Tokyo. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Peut-être autour de la bouffe. Tout à l'heure, on avait des choses. Comment est-ce qu'on va pouvoir... Là, je reste un peu sur Rocket League. Rocket. Il y a un truc, je pense, à faire avec Rocket. Alors, je sais pas comment je vais trouver ça. Je vais mettre des explosions aussi. Je sais pas, il me faudrait un truc genre espace. Est-ce qu'on a space? On a Space Invaders. Et explosion, on a quoi? Ça marche pas.
Pac-Man, Pikachu, Pixel, Pixel Art. Ok, ça m'intéresse pas. Sinon, faudrait... En fait, je me dis Rocket, jeu vidéo, Rocket, ballon de foot, football, ce genre de choses. Je me dis peut-être que... comment est-ce qu'on peut avoir ballon, football, ce genre de choses. Peut-être en partant de jeu, parce que ça reste un jeu. Alors, le foot, c'est quoi comme jeu? C'est un jeu avec quelque chose de rond. Si je mets le soleil, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est pas trop gros? Solar. Le Japon et le foot. Nintendo. Ah ouais. Nintendo, ça peut peut-être servir à quelque chose. Je le garde de côté. Je sais pas pourquoi. Nintendo, vu que Rocket League, ça a dû sortir aussi sur Nintendo. C'est peut-être pas le truc le plus évident. Peut-être... Oh, attendez, j'ai une idée. J'ai peut-être une idée, là. Il y a un truc qui me vient. Nintendo et étoile. Mario. Mario voiture et engine. Mario Kart. Mario Kart, vous l'avez. Mario, ok. Mario... Alors, Mario et voiture. Est-ce qu'on a car? On n'a pas car. Steam, Engine et Mario. Steam Mario. Merde. Nintendo et Steam Mario. Steam. Nintendo et jeu. On retombe sur Mario. Comment tu fais? Mario et Steam tout court? Luigi. Mario et quoi? Avec le train? Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart, pas mal. Mario Kart, pas mal du tout. Mario Kart et soleil, ça marche pas. Mario Kart, il faudrait que je fasse ballon. Comment tu fais un ballon? Il y a rien qui ressemble à un ballon dans tout ce qu'on a. Je regarde la boue. La boue, peut-être? La boue. Ouais, je dirais plutôt rugby, moi. Boue et puddle. Ok, je sais pas ce que c'est. Puddle et Mario Kart. Mario Kart 8. Je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Explosion. Explosion et Mario Kart. Mario Kart 8, ok. Il y a un problème avec Mario Kart 8. Tout tombe dessus apparemment. Enfin, ça fait deux fois, mais... Rock. Rock et jeu. Paper. Paperweight. Je regarde ce qu'on a. Le soleil. Le soleil est un jeu. Ça ressemble normalement. Solar, ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est quoi le jeu de l'étoile? Celebrity. Celebrity, peut-être pour K-pop. On peut garder. Peut-être pour K-pop. Cosmos, Supernova, Seastar, Mermaid, Sumo. C'est rond, mais c'est pas ce qu'on veut. Le Yen, Ronin, Umbrella, Parasol, Dandelion, Planète. Planète et jeu. On va avoir ça. La Terre. La Terre, tout simplement, et jeu. Football. Football Mario Kart. Rocket League. Bah voilà, on l'a. Ok. 30 minutes, 3 mots. Pas mal. Pas mal du tout. Alors par contre, comment on fait pour tomber sur l'Asie? Alors... Je pense que... Attendez, on va essayer de cumuler là ce qu'on a. Peut-être qu'on va trouver des nouveaux mots. Apparemment, non. Sunshine et Money. Nintendo, je pense qu'on en a plus besoin. Celebrity, oui. Venus, on va garder. Video Game, on en a plus besoin. Japon, on va garder. Pour le côté asiatique. Terre, il nous faut la Terre. La Terre, c'est sûr. Je pense que c'est la base pour trouver un continent. Attendez. Et ça là, si je combine à fond, montagne et montagne. Montagne et terre. Un volcan. Non, ça ne marche pas. Montagne et tsunami. Une île et la terre. Un continent. Continent, pas mal. Continent plus Japon, Asie. Asie, célébrité. Bollywood. Ah, je m'attendais pas du tout à qu'on parte en Inde. Ah, je l'ai pas vu venir celui-ci. Mais ça semble logique. C'est en Asie. L'Inde, c'est hyper important. Je m'attendais à la Chine. Je pense que si tu fais Asie et étoile, tu tombes sur la Chine. Peut-être qu'on fasse des choses comme ça. La Chine. Vous voyez, on a la Chine. Qu'est-ce qui pourrait nous faire partir sur l'Asie? Alors là, je vous avoue, je ne sais pas. Lightning. Je tente des choses. Bolt. Confucius. Ok. La Grande Muraille de Chine. Alors, Asie et Asie, ça fait quoi? Ça fait Asie. Y a pas de problème. Y a pas de problème. C'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Honnêtement, on fait un très très bon temps. Il me manque deux mots en une demi-heure. Je m'attendais à le faire en deux heures. Là, vu comment ça avance, je me dis peut-être en une demi-heure. Banzai, je pense, ça va me donner Japon. Ouais, Japon, ça semble logique. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous rapprocher? Ça va être la Chine. Allez, je m'attendais. Vous savez, je m'attendais à Shanghai. Umbrella et Asie. Bar. Y a beaucoup de bars à Séoul.
On a été là-bas. Karaoke. Karaoke, c'est aussi Japon, mais c'est pas mal Séoul. Mince. Après, karaoke, ça veut dire normalement, je crois, orchestre symphonique sans parole ou quelque chose comme ça. Donc, c'est japonais, karaoke. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'ils ont des catcheurs en Asie? Sumo. Ouais, logique. J'essaye de penser à la Corée. La Corée, ça symbolise quoi dans les mots que j'ai? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il faut essayer de trouver avec les mots. Mariage arrangé avec la Chine. J'étais à Séoul. Séoul, ça pourrait être le poulet. Parce qu'il y a beaucoup de poulet frit à Séoul. Il y a beaucoup de bars. Forcément la musique pour la K-pop, mais j'ai rien qui est en lien avec la musique. Vénus et Asie, attendez. Vénus et Asie, on a quoi? Attendez, j'ai Vénus ici. Aphrodite. Aphrodite et Asie. Turquie. Donc on a une dinde. Istanbul. Je suis pas sûr que c'est ce que je voulais, quoi. Sushi. Ok, ok. Sake, Japon. Ok, mariage. On va retourner sur Asie. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Séoul. Séoul ou Corée, hein, peu importe. Je pense que j'essaye de trouver. Je pense qu'il va falloir qu'on mêle un petit peu au hasard des mots. On va revenir au début. Genghis Khan. Non, ça sonne pas. Mongolie. Ça m'intéresse pas. Du saké. À mon avis, c'est Japon. Si je mets le saké, allez, c'est Japon. Asie et quoi d'autre? Poisson. Je pense qu'on va tomber aussi sur Japon. Sushi. Sushi Japon. Dragon. Peut-être Chine. Ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ça, c'est Chine. Serpent de mer. Je pense que ça sera Chine ou Japon aussi. Dragon. Dragon, du coup, on tombe encore sur Chine. Les bateaux. Corée. Ouais. Titanic. Sinking. On est presque à singing. Attendez, est-ce qu'on peut pas faire singing plus célébrité? Une chanteuse? Non. Titan. Ok, ok. Le Cthulhu. Ça me fait chier de me louper à pas grand chose pour trouver la Corée. La Corée, c'est si difficile que ça à trouver. Barman. Je pense pas qu'on va tomber là-dessus. Football et la Corée, peut-être pas trop. Normalement, c'est plus le Japon. Soccer. Soccer et Asie. Japon, bah ouais, ça me semble plus logique. Dans les jeux vidéo, j'ai rien qui me ferait partir, je pense pas, vers le côté e-sport de la Corée. Vous voyez, on tombe sur le Japon. Je sais pas, je teste des choses, on tombe encore sur le Japon. On peut tomber sur des trucs sans faire exprès, honnêtement, sur la Corée. Et une fois qu'on a la Corée, je pense qu'on a la K-pop, quoi. Tennis. Tennis, Asie. Japon, c'est les japonaises qui sont bonnes au tennis. Ferme. Alors, en Asie, il y a plein de fermes, ça va être quoi? Riz. Alors attendez, il y a peut-être des choses là à faire. Riz et riz, on a quoi? Rizière. C'est ça, rice field. Paddy. Ok. Et ferme et paddy, on a quoi? Ok, ça marche pas. Attendez, peut-être avec Turquie? Thanksgiving. Thanksgiving et l'Asie, on a quoi? Turquie. Turquie et Asie. Non, ça tourne en rond. Ok. Là, je l'ai pas. Je vois pas comment je peux aller chercher avion et Asie. Jet, plane. Jet et célébrité. Paparazzi, paparazzi et Asie. Kim. Oh, 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 oh! On a peut-être. Kim Jong-un. Me dis pas que ça va être Corée du Nord, s'il te plaît. Oh, c'est la Corée du Nord! Corée du Nord et soleil. Il fait plus chaud au sud. Alors peut-être. Nucléaire. Ah non, c'est pas ça que je voulais, moi. Et Corée du Nord et Corée du Nord. Ça fait peut-être la Corée? Non. Ferme et Corée du Nord. La famine. Crash. Homer Simpson, Kim Jong-Homer, Kim Jong-Lee. Est-ce que Kim Jong-Lee, je sais pas qui c'est, mais est-ce que ce serait pas coréen? Ah, c'est une Corée du Nord aussi. C'était pas son père, Kim Jong-Homer? Kim Jong-un. Ok, ok, ok. Aïe, 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 aïe. La famine et l'Asie. La Chine. La Chine et la Corée du Nord. La guerre. Kim Jong-boom. Kim Jong-boom. On n'est pas loin. Il n'y a pas quelque chose qui sonne sud?
Genre South. J'ai pas South quelque chose. Non, j'ai rien qu'avec South. Peut-être avec Vénus. Vénus, ça fait toujours plein de belles choses. Kim Jong-un. Bah, peut-être pas cette fois-ci. Peut-être pas cette fois-ci. Comment ça, no item? Bah, ils sont où mes mots? Bah, Jean-Michel? Ok, ok, ils sont revenus, ils sont revenus. Je sais pas, là. Je tourne en rond. C'est souvent ça, hein, c'est-à-dire que on croit bien partir. Sun... Ah, peut-être Sunshine et Corée du Nord. Ah, attendez. Hop, on va mettre Corée du Nord. Ok, on a la Corée du Sud. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Sunshine, je me suis dit. Corée du Sud, célébrité. Si. Alors, Psy, qu'est-ce qu'il fait? Psy et Vénus. Psy, Vénus. Enfin, Psy. Psy, vous savez, c'est Gangnam Style. C'est pas grave. On a la... Voilà, j'ai K-pop. Je sais pas ce que j'ai mélangé. J'ai dit, de toute façon, on allait trouver très facilement. Je pense qu'à partir du moment où t'as Corée du Sud, tu mélanges plein de choses et on tombe dessus. Maintenant, par contre, il nous manque Cornichon. Alors, Cornichon, je partirais bien sur un truc. On a du vin. Parce que normalement, vous savez, c'est avec du vinaigre. Mais vin plus... On peut pas classer par emoji? Si, c'est ça. Classer par emoji. Alors. Peut-être. Il y a quoi? Grain, life, tree, bonsai, dune, wasabi. Le vin chaud. Ah, si on met avec du feu. Alcool. Alcool, ça peut être pas mal aussi, hein. Encore une fois. Burn. Ouais. Alcool et vin, on a quoi? Drunk. Soil et vin. Vineyard. C'est, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas justement les endroits, j'ai perdu le mot, où on plante notre raisin? Les vignes? Vineyard. Vineyard et vin et wasabi. Sushi. Alcool et plantes. Sneeze, allergie, mal de tête, bourré, aspirine, mal de tête, une cure. Bon, on est parti dans un sens, c'est pas ce que je voulais. Ici, on va pouvoir virer ça. Ferme, on va peut-être... Ah, attendez, ferme, ça peut peut-être être pas mal. Asie, Japon, je pense qu'on va dégager. Ferme, wine, je pense que ça va pas fonctionner, mais pourquoi pas. Un vineyard, c'est ce que je pensais. En vrai, le vinaigre, ça part du vin, hein. Le vinaigre, ça part du vin, donc c'est pas une connerie de faire ça. Est-ce qu'on aurait... Oh, attendez, peut-être avec du sel. Alors, est-ce qu'on a la mer? Je sais pas si on peut faire avec un océan. Sea. Sea et wine. Pirate. Mais c'est pas à ça que je pensais. Sea avec du feu. Ou avec du soleil. Ça va mettre la plage. Ouais, c'est logique. Et du vin. Alors, comment je peux faire? Fire. Fireplace, peut-être? Ok, ça a pas l'air de vouloir. Du fuel. De l'huile. Gasoil. Ok. Ok, ok. Non, en vrai, pas le riz. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Alors, on va reprendre les trucs de base. On sait jamais. On va les garder en haut. On est à 43 minutes, hein. 43 minutes, c'est vraiment très, très bien. Comment tu fais? Attendez, un cornichon. Ça ressemble à un serpent. Oui, oui, alors excusez-moi, j'extrapole un peu, mais c'est ce qu'il faut dans le jeu. Alors, avec du vin, wine. Pour moi, wine, clairement, il faut que je le mette ici. Drunken Dragon. Ah ouais, ok. Mermaid. Drunken Mermaid, pirate, capitaine Hook. Vin, on l'a. Vin, c'est sûr. Vin, après, on pouvait partir peut-être autour de Dandelion. Dandelion, je sais que ça va donner plein de choses, Dandelion de mémoire. Deux Dandelions, ça donne quoi? Dandelion patch. Non, arrêtez de vous cumuler. Hop. Dandelion et de la terre, on a une fleur. Fleur et du vin, peut-être. Ok. Du parfum. Ouais, ok. Oh, on a du raisin. Raisin et la mer. Je vous dis pour avoir le côté salé du vinaigre. Drunk. Ok. Après, on peut faire du vin avec plein de choses. On peut faire du vin avec du vinaigre avec de la pomme, par exemple, aussi. Un arbre et Vénus. On a la pomme. Pomme et du vin. Peut-être qu'on va tomber sur cidre, en vrai. Ouais, voyez, on tombe sur cidre. Cidre. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui rapporte à quelque chose de vieux? Une montagne? Une montagne de cidre. Ouais, montagne, ça me fait penser au temps, la montagne. Mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? Bouteille et cidre.
Non, ça marche pas. Elle est où la montagne? Une île. Je sais pas où est la montagne. Je ne sais pas où est la montagne. Life. Homme. Adam. Adam et Vénus. On va voir Eve, j'imagine. Pas très utile, mais au moins je les ai. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, parce que de toute façon, pour cornichon, je suis pas sûr que j'ai vraiment besoin. Wasabi et Cid. Saké. Ok, Rinken, Rose, Phoenix. Je sais pas, en fait, c'est le seul aliment que j'ai véritablement, Wasabi, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre que Wasabi qui pourrait me servir? Bah si, j'ai Grape aussi. Et maintenant, j'ai aussi la pomme. Pourquoi je tape pomme? Hop, Apple. Ce qu'il me faudrait, c'est sel. J'ai pas sel. C'est pas facile. Peut-être avec de la vapeur. Je pense à me faire de l'alcool. Si je fais Steam et Grape. Ça fait du vin. Steam et Apple. Paille. Un dessert. J'essaye de l'avoir. Je ne sais pas comment faire. Il me faut pickles. Oh, avec vase. Peut-être avec vase. Vase. Wine. Drunk. Vase et wasabi. Sushi. Vase et pomme. iPhone. iPhone. Tu peux faire iPhone avec ça? What the fuck, bro? Ça, je l'aurais jamais vu venir. Et en fait, c'est hyper facile à faire. Wine. Comment tu fais pickles? Seed. Seed et wine. Non, on retombe sur grape. Plante. On retombe toujours sur les mêmes choses. En fait, le problème, c'est que mon idée, elle est trop focus sur quelque chose. Et j'arrive pas à m'en défaire. Star et grape. Wine. Wine et star. Runk. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Là, je vois pas. Un souhait? Ouais, non, ça marche pas. Avec Dandelion. Dandelion, je sais qu'on fait des choses avec Dandelion, mais... Alors, tourne en rond. Muddy Sunflower. Non, mais allô. Avec quoi je peux tourner? Wine. Wine, pour moi, c'est la base. Et avec un pot, je sais pas, pour moi, tu mets... du vin dans un vase ou dans une poterie et tu l'as. Là, on avait fait vase ou avec clay, je crois que j'ai déjà testé. Peut-être avec de la céramique. Cup. Cup et vin, on a quoi? Runk. On a la base. On a la base, c'est sûr. On va tomber dessus dans quelques instants, mais je ne sais pas comment faire. Du vin et de l'eau. À mon avis, c'est une connerie. Holy water. Du vin, alcool. Un ballon. Le ballon, par contre, tout à l'heure, pour le côté Rocket League, Grand Theft Auto et tout, ça aurait pu fonctionner. Hein. Là, on avait quelque chose, potentiellement, qui aurait pu jouer. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut jouer avec vin? La stone. Stone, je vois pas en quoi. Une sculpture. Ok, quand t'es bourré, tu fais des sculptures, pas de problème. En plus, on l'avait tellement tôt, le vin. Regardez, on l'a eu ici. On l'a eu si tôt. Peut-être avec dust. La poussière de vin. Du vinaigre. Alors, vinaigre et quoi? On a le vinaigre, enfin. Vinaigre et soil. Une salade. Ok, c'est pas ça que je veux. On n'est pas loin. Attendez, on va. Peut-être avec dandelion. J'ai vu que j'avais un dandelion. Raisin et vinaigre. Ok, wasabi. Genre, on avait fire breath. Une poterie et du vinaigre. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai plus besoin de chercher ça, en fait. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il faut encore que je cherche vinaigre. Mais non, c'est juste que ça fait trop longtemps qu'on est dessus. Hop, ok. Vinaigre et quoi? Vinaigre et terre. Si on fait vinaigre et terre, on va pas tomber sur des pickles? La terre, c'est ça qui donne la vie. Du sel. Sel et vinaigre, alors. Saumure? Chips? Non. Et graines. Pickles! On a enfin nos 5 mots. Naruto, Grand Theft Auto, Rocket League, K-pop, Pickles, 51 minutes. Ça a été ma game la plus rapide. Et c'est parce que je me souviens de certaines connexions qu'on avait déjà fait. Et bah balancez-moi des nouveaux mots pour qu'on aille faire sur un prochain challenge la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine. Ça fait beaucoup de prochaines là, je trouve. Abonnez-vous, likez la vidéo. Ciao, ciao.